pas de ramasser les branches cassées. Il y a vraiment que l'apparence qui compte pour toi. Je n'ai pas le choix. Désolée de te le dire, mais ce que tu fais dans le parc de la ville ne ressemble à rien. Ouais, ben Laura, je risque de faire bien plus de dégâts si on ne taille pas les branches des arbres qui pourraient tomber sur la tête de quelqu'un. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Pégases ont prévu un orage pour aujourd'hui, alors que cela aurait pu être une journée magnifique. Oh, Rarity, essaye de réfléchir un peu. Ils ont oublié de déclencher une averse la semaine dernière, donc on a besoin de 2 fois plus de pluie cette semaine. Oh, non! La pluie va anéantir ma superbe coiffure! Tu aurais dû te dépêcher pour finir le travail plus vite. Oh, ah, oh, il pleut beaucoup trop! Là, va t'abriter sous cette table pendant que je termine le travail. Non, quoi encore? Mes sabots vont être tout brûlés si je vais là-dessous. Oh, décidément, t'es jamais contente, hein? Rien n'est jamais assez bien pour toi. Et tu peux m'expliquer en quoi me salir les sabots arrangerait quelque chose? C'est incroyable, tu cherches toujours la petite bête. Je t'en prie, tu sais que ce n'est pas vrai. Oh que si. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si à l'infini. Ha. Oh que non à l'infini plus ça. Ha. Je suggère que nous nous séparions avant que l'une d'entre nous dise quelque chose qu'elle regrettera. Ouais, c'est sûr, je risque de dire quelque chose que tu vas regretter. Bien au contraire, je pense que c'est moi qui risque de te dire quelque chose que tu vas regretter. Oh, mais je ne dis rien du tout. Moi non plus. Très bien, alors bon vent, mamselle. Après vous. Ah! Nous devrions peut-être rester ensemble pour l'instant et trouver un abri. Ah, eh bien, t'as raison. C'est vite. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, n'est pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Ah, ah ben, je suis bien à l'abri. Enfin. C'est intolérable. Applejack, Rarity. Applejack, Rarity. Twilight, venez vous mettre à l'abri, vite. Une petite seconde. Un arbre est-il vraiment l'endroit idéal pour s'abriter d'un orage? Oui, quand il est protégé par un paratonnerre magique à toute épreuve. Allez, venez. Nous te sommes reconnaissantes de ton invitation. Oui, merci de ton hospitalité. Oh. Sois donc une invitée polie et va te laver les sabots, tu veux bien? Oh, si je dois passer une seconde de plus avec cette chipie de Rarity, je sens que ça va tourner au vinaigre. Quel orage, hein? On peut dire que les Pégases se sont surpassés cette fois. J'espère que vous n'aurez pas de problème pour rentrer chez vous. En fait, cela risque de poser problème. Vous pouvez toujours rester ici s'il le faut. Spike est parti à Canterlot pour des affaires royales. Je suis toute seule ce soir. Oh, toi et Applejack devriez rester pour la nuit. Passons la soirée entre copines. J'ai toujours eu envie de faire ça. Oh, bon sang. Je viens juste de me souvenir à l'instant que j'ai déjà pris des engagements pour cette soirée. Malheureusement, je crains de ne pas pouvoir rester. Je suis étourdie et surtout je ne peux pas passer la soirée avec Applejack. La fête entre copines. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fêtes entre copines sans jamais oser le demander. C'est un de mes livres préférés. C'est un guide indispensable. Regarde un peu le sommaire. J'attends depuis longtemps l'occasion de l'utiliser. Et c'est pour aujourd'hui. Je sens que ça va être formidable. Oui, fabuleux. Oh.
un peu fort de jus de pomme. J'ai dû enlever la gadoue de mes sabots. Et vous, vous vous tartinez le museau avec de la boue. Mais non, c'est un masque à l'argile verte. C'est pour rafraîchir et rajeunir notre teint. Oui, on se pomponne entre filles. C'est obligatoire, c'est marqué dans le livre. Guide de la fête entre copines, tout ce que vous... Ça alors, vous avez vu l'heure? Il faut que je cours jusque chez moi, j'ai un truc important à faire. Bonne nuit. Je crois que finalement j'avais peut-être resté un peu. Ouais, une fête entre copines. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert ça? C'est pour réduire les cernes que l'on a sous les yeux, bien sûr. Mais j'ai pas de cernes, moi. Je préfère les manger. On s'amuse bien, non? On va suivre le livre à la lettre. Et ce sera la meilleure fête entre copines du monde. Tu entends ça, Applejack? Tu ne voudrais quand même pas gâcher la première fête entre copines de cette chère Twilight, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Et je suis sûre que toi non plus. Nous sommes donc d'accord sur ce point. Et comment? Oh, dégoûtant. Tu sais, tu n'es pas seulement désordonnée, tu es grossière. Et toi, tu n'es pas seulement chouchoute, tu es agaçante, comme c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Je peux m'entendre avec n'importe quel poney, aussi agaçante soit-elle. Ah ouais? Eh ben moi, je peux m'entendre mieux que toi avec n'importe quel poney. Elle ne veut rien dire, ta phrase. Ça va être la meilleure fête entre copines du monde. Ouais. Ouais. Alors, comment ça va? On s'amuse bien, hein, Applejack? Formidable, Rarity. Je suis si contente. Pomponnage fait. Oh, maintenant, on doit se raconter des histoires de fantômes qui commencent. Moi? Je vais vous raconter la terrifiante histoire du fantôme pointilleux. Il rendait tous les poneys fous à cause de son obsession pour la propreté. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler. Non, non, jamais. Mais j'ai une bien meilleure histoire. C'est l'effrayante histoire du fantôme malpropre et désordonné, capable d'agacer tous les poneys à 100 km à la ronde. C'est pas une vraie histoire, tu l'as inventée. C'est une histoire de fantômes, elles sont toutes inventées. J'en connais une. Cette histoire s'appelle la légende du cheval sans tête. C'était une nuit sombre et orageuse, comme ce soir. Et trois poneys avaient organisé une fête entre copines. Oui, comme ce soir. Et alors que la dernière se croyait en sécurité, là, se tenant juste derrière elle, à quelques centimètres se trouvait le cheval sans tête! Histoire de fantôme, fait! Alors, on passe aux friandises? Ensuite, tu mets un marshmallow par-dessus le chocolat et il faut qu'il soit bien au centre, c'est important. Et pour finir, tu mets le second biscuit sur le dessus. Et voilà! Tada! Oh! Et ensuite, tu le manges. Oh, tu pourrais au moins demander pardon, c'est dégoûtant. Mais c'est ce que j'allais faire juste avant que tu ne m'interrompes. Pardon. Friandise, fait. Et maintenant, la prochaine activité, action ou vérité. Je défie Applejack de faire quelque chose avec précaution et sans faire de dégâts pour changer. Ah ouais? Eh ben moi, je te défie d'être moins chochotte et d'arrêter d'être obsédée par le moindre petit détail pour changer. En vérité, je pense qu'un certain poney gagnerait à faire un peu plus attention aux détails, justement. Pour dire la vérité, il y a un poney qui ferait bien d'arrêter de se plaindre tout le temps pour que les autres puissent travailler. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit jouer. Vous devez donner une réponse sincère à une question qu'on vous pose ou faire ce qu'on vous demande de faire.
Alors je te mets au défi d'aller dehors et de laisser la pluie gâcher ta si jolie coiffure. Tu es obligée, c'est la règle. Ha! D'accord. À moi, je mets Applejack au défi de mettre une robe de princesse à froufrou. Contente? Oui, très. Moi aussi, je peux jouer. Je te mets au défi de participer au prochain rodéo qui passe en ville. Et moi, je te mets au défi de ne pas participer au prochain rodéo. Tu ne devras pas brosser ta crinière 100 fois avant de te coucher. Et je te mets au défi de brosser la tienne. Je crois qu'on va oublier cette activité et passer à autre chose. Voyons quelle va être notre prochaine activité super amusante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bataille d'oreiller? Oh, je t'en prie, je n'ai pas du tout envie de participer à une activité aussi antique. Oh. C'est la guerre! Ne sont pas boueux. Ils l'étaient et il reste peut-être encore de la boue. Il y en a pas. Regarde. Dégoûtant. Et là maintenant, tu peux me dire qui est grossier? C'est malin. Maintenant, je vais être obligée de refaire le lit. Lève-toi. Hey! Va le défaire. Il faut que tu fasses comme ça. Ouais, ça c'est pas pour moi. Hop là! Hey! Je sais que tu l'as fait exprès. Hein? Ah ouais? Lève-toi, je vais le refaire. Désolée, je ne t'entends pas, je dors. Pas question que je me lève. Il va falloir, si tu veux, la couverture. Hein? Non, question. Oh, que si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Assez. Il est écrit que le premier objectif d'une fête entre copines, c'est de s'amuser. Et à cause de vous, je n'y arrive pas. Et j'ai fait de mon mieux pour m'entendre avec elle. Ah non, c'est faux, c'est moi qui ai fait de mon mieux. Non, c'est moi. Non, c'est moi. 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 J'espère que vous êtes contentes. Toutes les deux, vous avez gâché ma fête entre copines. Le pomponnage, les friandises, Action Vérité, la bataille d'oreiller. Honnêtement, je crois que ça n'aurait pas pu se passer plus mal. J'aurais mieux fait de me taire. Qu'on devait tailler les arbres pour éviter ce genre de choses. Et toi, tu les décorais. Mais je... Laisse-moi faire, mamzelle. J'ai pas de temps à perdre. Non, attends, ne fais pas ça. J'ai pas le temps de discuter. Il faut agir. Et ça, les amis, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. J'aurais dû insister plus que ça.
je suis vraiment désolée, Twilight. On va. Non, en fait, ça ne va pas du tout. Il y a la moitié d'un arbre au milieu de ma chambre. Il n'y a aucun paragraphe dans le livre qui parle d'un arbre pendant une fête entre copines. Enfin, je ne l'ai pas trouvé dans le sommaire. Tu veux bien m'expliquer ce que tu fais? Je nettoie le désordre qu'un certain poney a créé. Qui c'était déjà? Ah oui, c'était toi. Nous devons faire quelque chose. Bonbon, bigoudi, blush, il n'y a rien qui concerne les branches d'arbres. Bon sang, Rarity! Arrête de ranger, aide-moi plutôt à nous débarrasser de ça. Je t'ai dit de venir ici et de m'aider à sortir la branche. Écoute, je suis désolée, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'étais désolée. J'aurais dû t'écouter parce que tu avais remarqué où la branche allait atterrir. Oh, ton insupportable obsession pour les détails aurait pu empêcher ce désastre. Mais pour l'instant, il faut que tu arrêtes d'être aussi pointilleuse sur l'ordre et la propreté. Et que tu m'aides à m'occuper de notre problème le plus urgent. S'il te plaît. Oh, mais si je fais ça, je vais me salir. Nom d'une pomme au four. Mais tu es... Je veux dire, oui, c'est un des inconvénients du travail manuel. Mais tu dois surmonter ton dégoût parce que je ne peux pas réparer seule les dégâts que j'ai causés. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Alors, au travail. Il y a un chapitre sur les fêtes qui se déroulent dans les jardins. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est un peu comme du camping. Qu'une grange? Non. C'est plus petit qu'une selle? Non. Il vous reste 3 questions sur les 20. On n'arrivera jamais à deviner, ça peut être n'importe quoi. Dis-nous, est-ce qu'on chauffe au moins? Pourquoi? Vous avez froid, c'est ça? Je peux monter le chauffage? Non, elle veut dire est-ce qu'on est sur la bonne voie avec nos questions. Ah! Non. Et techniquement, c'était une question, il ne vous en reste donc plus que 2. Est-ce que c'est... un poney à 6 pattes avec une crinière rose à pois vert, des yeux qui lancent des étoiles? Et qui vole partout dans le monde pour cacher des œufs qui brillent? C'est ça! C'est vrai? Non! C'est ça! Mais ça m'a fait plaisir de vous voir vous entendre pour quelque chose, alors j'avais envie de vous faire gagner! Vous voyez? Nous aurions pu nous amuser comme ça depuis le début. Si seulement un certain poney n'avait pas été si pointilleux. Elle ne l'aurait pas été si un autre poney avait été un peu moins négligent. Désolée d'avoir été aussi agaçante. Oh non, je suis sûre que j'ai été bien pire. C'est gentil de dire ça, mais c'est moi qui suis désolée. Je suis bien plus désolée que toi. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. C'est officiel, ma première fête entre copines est une réussite. Ouais. S'amuser, c'est fait. Maintenant, fais 2 pas à gauche. Non, l'autre gauche. Quelle gauche? Oh. Alors cette fois, c'est ta faute, pas la mienne. Désolée. Chère princesse Célestia,
Il est difficile d'imaginer que deux poneys qui semblent avoir si peu en commun puissent finalement arriver à s'entendre. Mais j'ai bien compris que si l'on accepte les différences des autres, il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous lier d'amitié. Alors, ça vous dit une autre soirée entre copines demain soir? Bon, bah alors dans une semaine? Oh, d'accord, disons dans deux semaines? Un mois.